Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation du nouveau livre aux éditions Dessin et Tolera, donc Les jolies vitrines d'Anna. Alors, je vous montre de plus près ce livre, il est juste magnifique. La tranche noire comme ça, très classe. Alors, on en apprend un peu plus sur Anna, juste ici. Donc, elle a 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle vit aux Pays-Bas. Elle a déjà plusieurs livres de sortie. Mais je peux vous dire que ce papier dans cette édition est de 180 grammes. Et il est incroyable. Et en plus, les pages, elles sont prédécoupées. Donc, ça, c'est top si vous voulez encadrer votre dessin ou l'offrir tout simplement. Il est au tarif de 18,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Formation. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver 45 illustrations très, enfin, il y en a plus ou moins détaillées. Donc il y a des librairies, des salons de thé, des bistrots, des devantures chez des fleuristes. Enfin voilà, une pure merveille. Donc couverture Bodoni. Alors je sais que j'ai vu sur Amazon un livre également. Sur les boutiques parisiennes, il est très joli. Donc, vous avez vu, toutes les pages sont avec des petits pointillés comme ça, donc facilement détachables. Donc là, on a le sommaire avec toutes les boutiques à mettre en couleur. C'est super bien parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez la provenance de la boutique, son inspiration. Donc là, c'était une boutique qu'elle a trouvée Esprit de Provence en France. Je vous montre de plus près. Ici, par exemple, une boutique au Royaume-Uni. C'est des boutiques à travers le monde entier. Ma rue favorite en France. J'adore, c'est trop beau, vous avez vu. On a même des boutiques à Tokyo, Japon. Il y a un petit peu de tout, en fait. C'est super. Alors, le papier, il n'est pas blanc-blanc, il est crème. Voilà. Et je vous montre l'épaisseur des pages. Donc, ici, vous avez la mise en couleur, c'est ça que j'adore, la mise en couleur de l'illustratrice. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous vous en inspirez ou pas, ou vous faites quelque chose de totalement différent dans les tons pastels aussi, ça peut être très sympa. Et vous pouvez utiliser, alors, le papier. Il est quand même lisse, donc vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres, ce que vous voulez. Alors par contre, si vous allez utiliser du feutre à alcool, ça va traverser sur l'illustration derrière. Malgré que le papier soit hyper épais. Et les traits sont fins. Je trouve ça super agréable. Donc, je vous laisse avec la présentation de ce livre en musique.